Hey, salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Attends, attendez, je vous cale. Voilà, pour un nouveau format de vidéo que j'ai encore jamais fait. Alors un genre de petit vlog. Je vous partage ma journée. Donc là je suis en train d'attendre que la puce fasse son gros et qu'elle finisse son bib parce qu'elle a rien bu là. Bon après elle a chaud, c'est normal. Voilà. Donc ben, je Ben vous voilà, je reprends vous reprends après. le lendemain. Premier jour de vlog raté, j'ai oublié. J'ai oublié, ma journée a vite défilé parce qu'en fait, ma mère est venue garder la petite pendant 2-3 heures, le temps que j'aille faire ma leçon de conduite. Donc j'avais 2 heures de conduite. Parce qu'à savoir, j'ai passé mon code il n'y a même pas un mois à la poste. Donc je l'ai eu 39 sur 40. Parfait, c'était super bien. Vous faites l'examen de code sur une tablette. Bon, on était trois dans la salle. C'était nickel, franchement. Ça coûte 30 euros. Si vous n'avez pas des dates à cause de votre auto-école ou si vous n'êtes pas encore inscrit et tout, bah, tentez votre chance, hein, franchement. Pour 30 euros, vous pouvez même annuler 48 heures à l'avance ou reporter. Vous perdez pas vos 30 euros. Donc voilà, moi je l'ai fait, ben je l'ai eu, ben tant mieux. Donc j'ai économisé, en gros, vous économisez pas trop à l'auto-école, mais bon. En gros, elle m'a enlevé 120 euros. Donc j'ai payé 30 euros, donc j'ai économisé 90 euros. Voilà. Donc ben, aujourd'hui, c'est plus soft. Aujourd'hui, j'ai pas de leçon de conduite. Donc ça va. Je suis restée à la maison avec la petite, tranquille. Ben, il fait pas très beau. Tant mieux, hein, comme ça se rafraîchit. Ouais. Donc là, je vous prends le matin. Le matin. C'est 10 heures. C'est 10 heures, la petite dort. Je vais vous la montrer. 10h30, c'est. Voilà. Donc ça aussi, ouais, ça aussi, je voulais vous en parler pour toutes les mamans. Donc au lieu d'investir dans un babyphone qui coûte relativement cher, si vous voulez la vidéo, la vision nocturne et tout, nous on a pris une caméra en fait connectée en Wi-Fi. On l'a pris sur AliExpress, je pense, ou Cdiscount. Mais bon, on n'a pas payé ça cher, on a dû payer ça à 30 euros, même pas. Et donc, elle est reliée à tous nos téléphones. Donc là, j'avais un petit téléphone que je ne me servais pas, donc je le laisse toujours en caméra, quoi, activé pour la maison. Et sinon, si je suis dehors, par exemple hier, pendant mon cours de conduite, j'avais une pause. On a fait une pause, ça c'est bien, parce que 2 heures d'affilée conduire, c'est chaud quand même. Donc on a fait une petite pause, et ben j'ai pu voir ma fille et qui dormait encore dans son lit, quoi. Parce que c'est en direct, c'est top ça. Franchement, pour toutes les mamans, c'est super. Dès que vous avez un petit peu de réseau, vous pouvez regarder votre enfant, s'il va bien et tout, voilà. Bon, je sais que si vous avez une nounou à domicile, il faut demander l'accord à la nounou. Parce que c'est le droit à l'image et tout, patati patata. Mais voilà, c'est top. Moi j'aime bien ça. Voilà, donc ben, je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Je vais prendre mon café, mon cappuccino qui a explosé dans la machine. Alors j'ai une quoi? C'est quoi ça? Une Tassimo. J'ai une Tassimo, j'ai fait mon cappuccino. Comme d'habitude, j'ai mis ma dosette de lait. Voilà. Ma dosette de café. Et la dosette de café, elle a explosé. J'ai du marc de café de partout dans la Tassimo. Dans mon cappuccino, c'est là. Voilà, ça c'est du marc de café en fait. Hein. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Peut-être c'est la capsule qui était défectueuse, je ne sais pas. Ah oui, et aussi, hier je suis tombée en panne de scooter. Trop bien. Le truc qui a, en pleine accélération, ben, il s'est arrêté. Il a fait vous.
pendant encore que Sébastien, donc Sébastien c'est mon mari, s'y connaît, donc il a regardé et tout, il est allé l'essayer parce qu'il comprenait pas. Il me disait, il démarre et tout, j'ai dit oui, bah va l'essayer, tu vas voir. Bah pareil, ça lui a fait la même chose, bon lui ça va parce qu'il avait sa caisse à outils, donc il a pu le bidouiller pour rentrer. Mais voilà, donc il y a ça, apparemment ça doit être un souci au niveau du carburateur. Voilà. Donc bah, à tout à l'heure. Et voilà, mademoiselle est réveillée. Coucou. Et puis eh ouais. Bon ben, mademoiselle va attendre dans son transat que je prenne ma douche, ok? Avec ses jouets du moment, donc Sophie la girafe et une licorne de chez Lamaze, un truc comme ça. Je vous montrerai après ses jouets favoris du moment. Voilà. Voilà, pendant que la puce dort, moi je vais me faire un petit peu à manger, je vais me faire tomate mozza. Ouais, je pense que je vais faire ça. Une petite salade. Et après, en fait, je vais prendre les fruits qui sont un peu gâtés du frigo. Je vais tous les couper et je vais en faire des sachets pour mettre au congélateur pour faire des smoothies après. Voilà, donc je vous mets tout ça. Salade, j'ai rajouté des concombres et je suis en train de vous mettre une petite vidéo sur le 100 bébé challenge, voilà, et je pense que je vais monter aussi celle que je tourne là. Voilà, à toutes. Donc voilà, ben, je vais clôturer le vlog ici. Donc pour ce soir, je suis en train de faire des escalopes et des petits pois. Et je suis en train de faire la box pour Seb. Donc ça, en fait, c'est un couscous que j'ai congelé. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a la graine et là, il y a la sauce. Voilà. Et je suis en train de lui faire une petite entrée, pareil que moi, à midi, tomate, mozza, concombre. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. N'hésitez pas à me laisser un pouce, à commenter et à vous abonner. Ciao !